Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, français. Bonsoir, française. Bonsoir. Bonsoir. Mon ami. Est-ce que vous allez bien? Impeccable. Super. Et vous allez bien? Aujourd'hui, au programme, tapping, relaxation, inaudible, sans trop. Nous avons découvert une forêt cachée en Amazonie. Ce n'est pas la forêt amazonienne, c'est la forêt papouasienne. Et nous avons découvert du bois incroyablement exceptionnel. Écoutez-moi ce bruit. Oui, Jean-Eudes, je suis actuellement en Alsace, exactement près de Mulhouse, dans le sud de l'Alsace, une merveilleuse région. Donc je suis ici, comme vous pouvez le voir, tout près de la cathédrale de Mulhouse, qui est en fait à Strasbourg, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai trouvé un objet merveilleux. Donc c'est un rouleau à pâtisserie, et il aurait visiblement un lien avec le général de Gaulle. Je ne vous en dis pas plus, nous verrons ça tout à l'heure. En tout cas, je voulais vous dire, Jean-Charles, je suis vraiment extrêmement heureuse d'être ici. Regarde-moi cette vue merveilleuse. On n'est pas bien là. La choucroute partie, moi, j'adore ça. En tout cas, je vous laisse et moi, je reste ici. Écoutez, c'est incroyable, nous avons trouvé du bois dans cette forêt, dans cet endroit magique et magnifique. Regardez-moi ça. Et alors, attendez. Un monument historique. Il paraîtrait qu'il a un rapport avec le général de Gaulle. Comme il disait, oh my god. C'est historique parce que le son est juste magique. Ce bois est juste exceptionnel. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un bois qui n'a pas de nœud. Et alors il est lisse. Et alors le plus magique dans l'histoire, c'est que ce bois a été trouvé dans cet état-là, dans la forêt. On dirait qu'il a été coupé spécialement pour nous. Regardez-moi ça, c'est magique, n'est-ce pas? Mais attendez, celui-ci, vous croyez que c'est du noyer? Eh bien pas du tout. Vous avez pensé à l'olivier? Pas du tout. Vous savez ce que c'est? C'est une liane. Oui, une liane. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle est liée à une histoire. Je vous laisse réfléchir à ce sujet. C'était exceptionnel. Exceptionnel, pourquoi instructif, en tout cas. Tiens. De temps en temps, il faut la couper, elle parle trop. Je fous ça, elle s'arrête pas. Donc du coup, on va enchaîner, on va continuer avec notre deuxième objet spécial qui se trouve un désert. On sait pas trop où vous trouvez. Si, il paraît que c'est dans le désert de... Si vous savez à quel point c'est juste historique. Vous voyez ce sable qui est là. A servi à la construction des pyramides. À vous les envoyer. C'est une journée historique. Il est exceptionnel. Ouais. Ah, il est exceptionnel. On trouve pas qu'il a pas l'air de ressembler à ça avec moi. Ah ouais, franchement. Si. Ouais, c'est ça. Ouais. On me le dit souvent. Ouais. Il ressemble un peu. Merci à vous. Alors aujourd'hui, nous allons donc parler et débattre de ce phénomène étrange que les Français ont beaucoup parlé. Le bois retrouvé dans cette fameuse forêt. Ça
C'est une antiquité. Il paraîtrait que ce bois-là a servi pour le général de Gaulle. D'accord. C'est juste exceptionnel. Aline, il y a quelque chose à nous rajouter sur ce sujet, je crois. Oui, bien sûr, nous t'écoutons. Alors, vous savez, Jean-Charles, cet objet est carrément merveilleux. Il a une espèce de texture que je n'arrive pas à vous décrire exactement. Je pense que c'est du bois. Et il sent une odeur merveilleuse, vraiment. J'aurais peut-être dû le laver avant. Mais j'en ai fait une multitude d'usages et je trouve qu'il est absolument ravissant. Non. Et du coup, voilà, je crois qu'il vient d'une forêt, la forêt du bois de Eutre, qui est totalement inconnue hein, de la France, bien sûr. Et je vous laisse écouter ce doux bruit. Alors Jean-Charles, qu'est-ce que t'en penses? Jean-Charles, c'est bon, je me suis auto-retrouvée. Je suis actuellement dans la forêt de Sherwood. Voilà, j'espère que je vais croiser Romain Desbois, mais voilà, ça va se faire. Oui. Oui. Voilà. Non, ça, c'est bon, Lina, c'est bon, on a compris. Merci. Si je peux me permettre. Imaginez le nombre de kilomètres que ce sable a parcouru. Et pourtant, il est d'une qualité exceptionnelle. Vous savez qu'il y en a qui font du café avec ça. Ah bon? Et du coquillage dedans? C'est ça. Ça fait un café goût mer. D'accord. C'est très bon. C'est très extraordinaire. Oui. Je ne savais pas. Oui. C'est un goût terreux. Et savez-vous que c'est avec les plus petits? Non, je ne savais pas. Je n'ai pas fini ce temps. Ah, pardon. C'est avec les plus
reportage spécial de New York. Aline, nous t'écoutons. Jean-Michel, je suis actuellement à New York où nous venons de retrouver des restes de la pyramide de Khéops. C'est pas incroyable? Écoute-moi ça. Alors ça, c'est du sable, hein, qui vient typiquement d'une des pyramides. Et je voulais vous en faire profiter. Bon. Derrière moi, vous avez et bien dur. Donc voilà, pour ça je l'apprécie particulièrement. D'accord, intéressant. Ah, comme quoi tout est lié. Tout est lié, mais c'est fou. C'est fou. C'est incroyable. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis lors de cette émission, évidemment. Merci à notre envoyé spécial, Selmar et Alinia ASMR. Merci au présentateur ASMR Chotement. Surtout lui. Merci aux 4 heures. Merci à ma famille, merci à mes amis qui sont tous là. Merci à ma femme.